Salut à tous, donc pour cette vidéo un peu particulière, on se retrouve au Salon du Deux Roues à Lyon où je vais vous faire découvrir des nouveautés moto, notamment l'arrivée de la 790 Duke de chez KTM, une petite présentation de la Multistrada qu'on aura le privilège d'essayer semaine prochaine, également Harley Davidson, on fera un petit tour chez Indian, je vous présenterai également du textile avec une nouvelle marque qui s'appelle Eudoxy qu'on aura peut-être la chance de voir sur un de nos magasins Royal Racer. Et chez Royal Racer, la nouveauté qui vient de rentrer, c'est les fameux casques Quartz, donc une marque française. Je vous verrai ça donc au cours de cette vidéo. A tout. On est donc sur le stand de KTM avec Ludovic et la fameuse 790 Duke. Vas-y Ludo, si tu peux nous la décrire. On vient tout juste de prendre les infos autour de cette moto, on vient de la voir pour les premières fois pour certains. Donc on a quand même tous les gars en doudou orange là qui sont tous des mecs du staff KTM. C'est ça, on a vraiment lancé un truc comme il faut. Ici là en ligne, le moteur, un chiffre comme qui arrive, qui arrive et descend du série. Un chiffre qui sort un mode 160 kg, 105 chevaux, 70 excellent. On va concurrencer les gars. On va aller embêter un vieux japonais. Donc aujourd'hui on est hyper curieux de pouvoir essayer ça, de toute façon tu vas le faire dans pas longtemps. Et bien essai prévu le 15 mars. Voilà. Et donc on pourra donc la découvrir. Là c'est vraiment dans sa version de série, il y a juste les rétros, mais le compteur TFT couleur, les clignotants LED, le feu LED, ils ont vraiment tout ce qui se fait actuellement chez KTM. Très très beau. Et bien écoute, roule en fumant et donc rendez-vous le 15 mars. Merci beaucoup. La Multistrada 1260 qu'on a ici en version S, c'est une nouveauté 2018 okay. Qui a été dévoilée au Salon de Milan. Elle est arrivée en concession il y a à peu près 2 mois à peine. Grosse nouveauté sur le stand Ducati, c'est d'ailleurs pour ça qu'on la retrouve sur ce beau podium. Disponible en 3 coloris pour la version S, soit en blanc, ouais. Soit en gris comme on peut voir juste ici. Okay. À savoir que le modèle S blanc et gris ont les jantes couleur magnésium. D'accord. Chose que la version S rouge n'a pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme nouveauté par rapport à l'ancien modèle? Alors,
il y a eu une refonte du moteur. Okay. Ils ont repris le même moteur que le X-Diable qu'on a dans un petit peu plus là-bas. Donc un moteur qui se veut plus coupleux, surtout entre 4 et 7000 tours minute. Plus de coupe, un petit peu moins d'allonge moteur. Par contre, on garde toujours 158 chevaux sur moteur. Donc ça pousse toujours autant. On a toujours un système de courbe de puissance réglable. Donc on va tout à l'heure sur le compteur. Tout à fait. Et je vois que la selle est un peu creusée. Ils l'ont retravaillé ou pas? Alors, ils ont retravaillé la selle et aussi cette sensation esthétique. Pourquoi? Parce qu'ils ont revu l'empattement un petit peu plus grand. On a 5 cm, enfin 4,8 pour être très exact, au niveau du bras oscillant. Et on a 1 degré au niveau de l'angle de chasse qui va faire qu'on va avoir une meilleure stabilité à haute vitesse. Vu le réglable sur 4 positions, comme je vais pouvoir te montrer, on a la petite pince juste ici. Là, on est sur la position la plus haute. Il y a juste à pincer deux doigts et on descend. Donc là, j'ai descendu en position basse. Si je veux mettre les différentes positions, on peut comme ceci. Très simple d'utilisation. On a la clé, comme je peux te montrer, on a un système de clé kit main libre. Pour démarrer, tu vas appuyer sur ce petit bouton juste ici, verrouiller, déverrouiller, juste là. On attend toujours que le cycle se fasse en entier. La beauté du tableau de bord TFT Cooler qui va changer de luminosité en fonction de la lumière. Soit on a un fond blanc, soit on a un fond noir. Donc là, je vais baisser un petit peu. Tout simplement, c'est que tu vas pouvoir tout modifier. Donc je te disais 20 790 € pour la rouge. On est à 20 990 € pour une grise ou pour une blanche. Je le rappelle, on peut peut-être pouvoir un petit peu mieux. Voilà, les jantes couleur magnésium. Le prochain essai, c'est la Multistrada. En tout cas, merci Antoine pour ces infos. Et merci à toi. Salut. Allez, salut. Des petits bombers, design, petite doublure, okay. Voilà, assez épuré avec le fameux petit logo. Ça vient d'arriver ça? Ouais, ça vient d'arriver cette année. Et donc les gens pourront retrouver ça en magasin? Voilà, tout à fait, en concession ou sur le salon de la moto. D'accord, merci Caro. De rien. C'est évidemment la couleur qui est un bronze mat avec les pinstripes et cette année ils ont voulu évoluer en enlevant le garde-boue avant mythique de chez Indian avec la tête d'Indien et du coup ils sont passés sur un garde-boue qui est non enveloppant et une jante avant qui est passée de 19 à la place de 16 de la rose standard du custom. Ok. Qu'est-ce qui a été modifié donc à garde-boue, jante? Et la jante, c'est petite visière. Le pare-brise, ouais, qui est réglable électriquement, okay. Mais qui est plus petit, ouais, qui est rabaissé. Et autrement, voilà, vous avez c'est le même modèle après que l'autre. Mais motorisation, on est sur du 1800. Ouais.
1800, donc un culbuteur, un moteur très américain. Cette année, ils ont changé les Komodo, ils ont épuré un petit peu les commandes par rapport au modèle extérieur où on avait quand même des gros Komodo. On est sur des sacoches qui ferment avec une télécommande qui est électrique, donc ça ferme. On a un système keyless aussi, sans clé. Voilà, un badge dans la poche qui est donc sans clé. Les sacoches sont détachables pour la nettoyer. Le gros GPS du marché. Le gros GPS du marché. Voilà. Tactile. Tactile. Bon, là, la capacité réservoir. C'est 21 litres. 21 litres. Et ouais. Du coup, ça offre une autonomie de combien? On fait à peu près 400. Un peu, ça dépend de la conduite. Ou, non, en gros, c'est 400 km. Ouais. Ok, donc merci Benino pour cette présentation. D'ailleurs, je vois qu'il y a des petites prépas que vous avez faites pour le salon. Là, c'est sur une base de quoi? C'est sur une base du 1200 scout en fait, à la base, mis en biplace, mais avec un arceau et une celle en cuir, en silencieux super trap avec silencieux. La ligne qui est faite sur mesure. Du coup, on l'a fait nous à l'atelier. Forcément. Fini avec la petite dernière, la verte qui est au fond. On est sur du mat, voilà. Ouais, sympa. Et donc du coup on a fait vieillir tout ce qui était chromé sur les autres, on a fait vieillir. Et on a mis un échappement Freedom qui est homologué. Celui-là est homologué. Mmh. Ok. Donc, voilà. Merci Rémi en tout cas. Bah, de rien, avec plaisir. Salut. Je vous ai découvert un petit stand donc toujours sur le salon de la moto, donc ça s'appelle Eudoxy. Et donc on va vous présenter donc cette belle cam donc, qui est destinée aux femmes, l'univers de la moto toujours. Donc salut, qu'est-ce que tu peux nous raconter sur cette marque? Alors Eudoxy, ça a été créé donc par Caroline et moi-même. Eudoxy pour nous c'est la déesse de l'indépendance et de la liberté. On a développé donc toute une gamme en coton bio qui a été imprimée sur Bordeaux. D'accord. Donc on a différents graphismes. On a commencé cette première collection avec quatre graphismes qui représentent les quatre dames d'un jeu de cartes. Donc on a par exemple la dame de pique qui va être plutôt dans le rêve, la dame de cœur qui va être plutôt mordue de vitesse et d'adrénaline, la dame de trèfle qui va être plutôt en mode road trip. D'accord. Et la dame de carreau qui va plutôt être dans le custom de la moto. Là, vous avez déjà créé toute une petite collection. Ouais, c'est ça. Au niveau des t-shirts, je vois qu'il y a un super beau blouson en cuir. Qui fait les blousons ici? C'est Caro qui fait les blousons, donc mon associé. On va y la voir après. Donc elle le fait directement sur le blouson. C'est ça. Donc en gros, c'est un modèle unique. C'est que des modèles uniques, ouais. Et c'est des modèles qui sont numérotés en fait. Chaque pièce est numérotée. D'accord. Tu disais que vous étiez sur Bordeaux, mais ouais. Les gens, s'ils sont intéressés pour des produits, où c'est qu'ils peuvent choper, où c'est qu'ils peuvent trouver ces produits-là? Alors, sur Internet? Sur Internet, on a un site Internet. Okay. On a un showroom sur Bordeaux à Darwin, chez Poirot Motorcycle. Et après, on distribue en boutique, donc un peu partout en France. Et sur Lyon, vous avez un distributeur ou pas? Pas encore. Avec Caroline, donc toi, c'est toi qui gères tout ce qui est les manteaux, donc tu peins directement dessus. Ouais, c'est ça. En fait, okay. On choisit des cuirs vintage qui nous plaisent, avec des coupes un peu années 80. Okay. Voilà. Et du coup, après, on fait un design unique sur le dos. Mais je trouve ça top qu'il y ait vraiment un univers et du textile qui se crée au niveau de la femme, parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose pour les femmes. Ouais, bah, c'est un peu ce qu'on s'est dit aussi. Ouais. Je vois que vous faites aussi de l'accessoire, des petits pins, etc., des patchs. Ouais, tout à fait. Les pins, c'est vraiment un élément phare de notre collection. C'est Caro, pareil, qui design le tout hein, de ce qu'on a. D'accord. Et on les fait faire par un orfèvre. Donc c'est vraiment des pins de qualité. Et on essaie de renouveler les designs. Donc on aura peut-être le plaisir de trouver cette marque chez Royal Racer à Lyon. On croise les doigts. Et en tout cas, bah, je vous remercie. Vous faites vraiment un très très beau travail. Merci. Salut.
suite du salon. On se retrouve donc sur le stand de Royal Racer à Lyon avec Hugo qui va nous présenter donc les nouveaux casques qui viennent de rentrer avec une exclusivité Royal Racer donc à Lyon, la marque Quartz. Salut Hugo, donc qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces casques? Alors en fait ce sont des casques qui ont l'originalité d'être totalement transformables. Il est personnalisé effectivement. Donc c'est personnalisable entre guillemets à l'infini, on fait ce qu'on veut, on quasiment à l'infini. Le casque de monsieur tout le monde. Alors la partie qui ne bouge pas, ce sera la partie de la calotte. Ensuite on va pouvoir jouer avec la mentonnière. Okay. Si on enlève la mentonnière, on retrouve le châssis en carbone. D'accord. C'est un casque full carbone qui pèse 1,2 kg. Ouais. C'est extrêmement léger. Carrément. Tout est personnalisable, de la visserie en passant par les plastiques donc, que vous pouvez voir ici par exemple. Si toutefois on souhaitait. On peut tout personnaliser. Au niveau des couleurs, on a quasiment toutes les couleurs. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va proposer un petit panel de couleurs. Et après, si les clients veulent vraiment nous amener un échéancier pour qu'on fasse une couleur perso, ce sera faisable quand même. C'est une marque française. C'est une marque française. D'accord. Top. L'intérieur, il est en quoi? C'est de la mousse à Cantara. C'est de la mousse à Cantara, tout à fait. Les mousses à l'intérieur aussi se changent. Les couleurs, il y a du violet, du bleu, les du couleurs rose. Et donc forcément démontables. Démontables, tout à fait. Ok. Donc c'est un casque qui va être vendu à quel prix? On va être entre 600 et 700 euros sur un casque basique, sachant que départ, en gros. On peut avoir du casque tout noir comme ça, donc là on est quand même déjà sur du carbone. Ouais. Mais après, on peut acheter des casques directement. Ça, c'est des casques qu'on pourra retrouver en coloris avec une personnalisation déjà faite. Exactement. D'accord. Donc là, on va situer autour des 600 euros. Peut-être plus des 730 euros. D'accord, pour ces casques-là, pour ce modèle. Tout à fait. Ça va être dispo à partir de quand? À mon avis, ça va être dispo à partir du début du mois prochain, donc début avril, fin mars, début avril. Ok, bah super. Merci Hugo en tout cas. Et donc, les casques Quartz, vous pouvez les retrouver donc, chez Royal Racer à Lyon et uniquement là parce que donc, c'est une exclusivité. Tout à fait, exclusivité royale. Merci, bon salon. Merci. À sa fin, merci de m'avoir suivi sur cette vidéo. Je vous donne rendez-vous donc pour notre prochain essai Ducati Multistrada. En attendant, likez ma page RS Motopassion. Salut.